Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer sur la lancée de la vidéo précédente. On reste sur le poisson rouge. Je suis sur le bateau de Yann ou Excursion et aujourd'hui, on va prospecter pour chercher du poisson rouge en grande profondeur. Sur la vidéo précédente, c'était au moulinet électrique, mais cette fois-ci, je vais prendre le moulinet traditionnel de jig avec un ensemble de chez Ryoko. Donc, on va voir ensemble comment on va se dépatouiller cette pêche. Donc pour cette pêche là, je vais utiliser les Circle Hook de la marque BBK. Donc hameçon très important en fait sur le ferrage. Donc dès que le poisson tape dessus, généralement l'hameçon se place sur le côté, surtout pour certaines espèces. Dérive comme ça, remonter en fait un peu plus haut. On commence, on recommence un peu plus haut, tu vois. Tu vois, ouais, on va commencer dans le petit point là en haut là. Nous on a mis les appâts, donc c'est sur le bas de ligne de 5 hameçons qu'on va lâcher tout au fond. Yannou, j'aurais besoin de toi, juste prendre le plomb. Yes. Je vais lâcher. J'ai touché le fond. Voilà, en fait, c'est un ensemble de jig à la base que j'ai détourné pour faire de la pêche avec appât. Je les touche. Attends, attends, reste comme ça. Bon, le premier, je vais le faire monter. Allez, c'est parti pour le sport. Ah ouais, il est dedans. Il est dedans. Ah, heureusement que le moulinet est démultiplié. Va te mentir. Ah ouais. J'ai l'impression qu'il s'est décroché. Soit il a gonflé, soit il s'est décroché. J'ai l'impression. Ah, il est... Tiens, c'est pas mieux à prendre la ligne. Donc on monte hameçon par hameçon. Yes. Yeah! Pickup! Bon, on peut voir, hein. Bon, lui, il a été un peu curieux, mais l'hameçon sur le côté. C'est parti! Sauter. Ah, trop de frein. Non, il arrive. En tout cas, il y a un qui est sorti. J'ai vu ça un peu. Ouais. Ah.
Ouais, on l'a vu. On a fini de tirer Fouillon, ouais. La tour de feu, peut-être qu'il va monter flotter, ouais. Il est pas loin. Ouais, mais on l'a fait tout. Oh là là. J'ai un peu trop de frein. Ça arrive. Ouais, il y avait deux. Il y en a qui sortent. Il y a un guet ordi dessus. Il va monter côté. Hein. Ça va se refaire. Ouais, c'est décroché. Ouais, c'est arraché. Il y en a qui s'arrache. Ils étaient deux. Ils étaient deux. Ce qui s'est passé tout à l'heure là, j'avais trop de freins, donc du coup ce qui s'est passé c'est quand sur la récupération pour ce poisson là, il faut mettre très peu de freins parce que c'est sur le rush, l'hameçon peut déchirer sa gueule. On fait une petite pause sur la pêche parce que les bras là, j'en en peux plus. On profite un peu pour savoir qu'est-ce que Yannou Excursion propose. Donc Yannou, explique-nous tout. Donc, je propose des sorties en mer, des balades à la découverte des dauphins, des fonds marins, de la côte caribe. Donc tu es plus situé où exactement? Donc je suis plus situé sur le Caraubert. Le Caraubert, et ça dépend. Donc en fait tu fais des trucs, des excursions aussi sur demande. Par exemple, si je veux aller, si je veux découvrir un peu le sud, toi tu proposes un peu des prestations sur ça. Oui. Si pour aller vers Anse d'Arlet, tout ça. Exactement. Et au niveau de ton bateau, toi tu prends à peu près combien de personnes? Mon bateau prend 13 personnes. Donc tu prends aussi les enfants, tu as l'équipement pour les enfants et tout ça. Exactement. D'accord. Et voilà, donc Yannou il propose des sorties au départ du Carbet. Donc il propose plein de choses sur demande, donc vous pouvez le contacter sur le petit lien qui va apparaître. Et puis là on continue notre pêche pour deux petits instants encore, voir ce qu'on peut retirer. Mais là je crois que je suis assez musclé là pour aujourd'hui.